Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un ceinturon tactique. Donc c'est un ceinturon de type Rescue Belt, c'est quelque chose qui est fabriqué en Chine. Pour ce qui est de la marque, aucune étiquette, aucune indication, mais il y a de fortes chances que ce soit du Hatefield. Alors pour ce qui est de la taille, deux choix, vous avez le M ou le L. Avec le M, vous aurez la possibilité de régler au maximum à 88 cm de tour de taille. Pour ce qui est des couleurs, vous avez le noir, vous avez également de l'olive drabe. Quelle que soit la couleur, la bouclerie sera toujours de couleur noire. Pour ce qui est de la taille, la largeur du ceinturon, 45 mm, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir installer sur n'importe quel type de pantalon. Pour ce qui est du poids, 224 grammes, donc quelque chose qui est quand même assez lourd pour un ceinturon. Pour ce qui est du tarif, 9 euros hors frais de port, hors frais de douane, donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Par contre, pour ce type de ceinturon, enfin pour celui-ci, c'est vraiment une utilisation classique, tenir un pantalon et faire joli, pas plus. Normalement, une rescue belt, c'est fabriqué avec des matériaux qui sont les mêmes que ceux utilisés pour les équipements de parachutisme. Là, on a quelque chose qui est fabriqué en nylon tout simple, avec une bouclerie métallique juste peinte. Ça n'a pas vocation à servir de ceinturon tactique pour faire des hélitreuillages ou de la descente en rappel. Si vous voulez un produit qui va vous permettre de faire ces activités, là, il va vous falloir acheter un produit de la marque Black Hawk qui est quasiment la même chose du point de vue esthétique, qui est quand même bien mieux fini. Par contre, là, vous aurez un tarif de 40 à 43 euros suivant les sites où vous allez pouvoir vous procurer ces ceinturons. Mais là, vous aurez franchement quelque chose de très très solide qui pourra vous permettre de faire des activités, assez périlleuses. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaire. Et puis sinon, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.